tous les stagiaires, quelle que soit leur catégorie de ligue, sur ce stage qui se veut tout d'abord convivial parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas tous retrouvés, se veut aussi protocolaire. Tous les stagiaires doivent valider leurs tests physiques obligatoires, les tests théoriques, et ensuite il y a une remise à niveau sur les lois du jeu avec les nouvelles modifications qui ont été apportées pour cette nouvelle saison. Et une partie plus administrative sur des rappels, sur des consignes, les choses qu'on veut mettre en place au niveau de la CRA, nous, auprès de nos arbitres. Alors c'est vrai que c'est avec grand plaisir qu'on retrouve tous nos arbitres après 2 ans d'absence. Alors, on avait commencé un peu le championnat donc au mois de septembre, octobre dernier. Mais là, c'est avec grand plaisir qu'on retrouve l'ensemble des arbitres de ligue, 450 arbitres qui se retrouvent sur 2 jours. Avec des conditions qu'on connaît, mais avec l'espoir de reprendre presque normalement le championnat dans quelques jours. Et sur des rassemblements comme aujourd'hui, je prends du plaisir parce qu'il y a des gens que ça fait 2 ans que je n'ai pas vu. On ne se voit pas tellement, puisqu'on arbitre pratiquement tous en même temps. Et donc ce qui fait que voilà, les rassemblements comme aujourd'hui sont super importants. Alors on était un petit peu inquiets par rapport à la forme physique par exemple. Donc les premiers tests sont bien passés. On reste très optimiste par rapport à ça, très content de leurs résultats. Idem pour les connaissances techniques. On s'est aperçu très vite qu'ils n'avaient pas oublié donc, l'essentiel des lois du jeu, par un petit contrôle de connaissances. On a aussi donné donc, des consignes techniques, des consignes sanitaires pour la reprise. Eh bien, écoutez, stage de ligue très important et très intéressant. D'une part parce que nous, les arbitres, on ne s'était pas revus et retrouvés depuis bientôt 2 ans en stage. Et puis important parce que ça permet de valider d'une part nos tests physiques. Ça montre que les arbitres de la Ligue Grand Est du football sont bien présents et sont au niveau. Et de valider aussi nos tests théoriques pour montrer que sur le terrain, nous prendrons toujours les bonnes décisions. Quand on les a vus arriver, ils avaient tous le sourire aux lèvres, content de retrouver les copains, content de retrouver les cadres, etc. Donc on voit sur leur visage qu'ils sont contents de se retrouver. Enfin, un moment de convivialité grâce à l'association représentative des arbitres, l'UNAF, grâce à qui le pot d'accueil, le café et ce qui fait le charme de l'arbitrage, l'amitié et la convivialité, a pu une nouvelle fois se réaliser aujourd'hui.